Au cours de la réunion, vous avez peut-être présenté Vipère des Landes également et également des jeunes éléments de 4 ans. Vipère des Landes, elle a 3 courses de rentrée. La dernière fois, elle est malheureuse, elle doit m'envoyer. Il n'y a pas de passage, comme on l'a dit. Moi, ça fait longtemps que je suis assis derrière. En compétition, maintenant l'engagement est bon, malgré la présence des étrangers. Si elle prend une petite place, vous seriez satisfait? Oui, voilà, je connais pas trop l'adversité, je ne connais pas les étrangers, donc je ne les connais pas plus. Puis elle, c'est peut-être une jument à courir cachée avec un bon parcours éventuellement. Voilà, tout à fait. Il y a Béassi également qui pourrait être de la partie vendredi. Oui. Aline de la fille, l'autre fois, dans l'apprenti, il n'a pas donné un super bon parcours. La fois d'avant, je l'ai trouvé qu'il était très bien à coordonner. Après, j'ai connu la graine, après la course d'apprenti, elle m'a laissé un petit peu sur ma faim, un peu quand même. Est-ce qu'elle n'avait pas récupéré? J'ai peut-être sûrement un peu trop rapproché. Elle était ferrée. Après l'épreuve, j'ai quand même constaté que c'était la première de jument de 25 mètres. Donc, il y a du pour et du contre. Là, elle sera certainement déférée des 4 pieds, Baline. Une course fermée, elle semble légèrement supérieure à BA, je dis pas de bêtises. J'ai eu des problèmes un petit peu cet hiver, là, j'ai eu plein de soucis de santé, accès dans le pied, donc j'avais fait deux fois mon partant, je crois, un coup de deux, on a eu que des conneries avec. Après, la gentille petite jument, et avec un bon parcours sans faire d'efforts et tout, qui peut accrocher une petite place. Bah, bien, oui, sur la course de coordonnées, même un petit mieux en étant déféré des quatre, du moins qui doit être dans les trois premiers dans une catégorie comme ça.